Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo, un petit peu réaction, j'en fais pas souvent sur ma chaîne. Ou tout simplement, les gars, j'ai réagi au tournoi d'Inox Tag. Bon, pas tout tournoi, juste à la finale en BO3 contre Michou. Donc Michou face à Lebouzeux, qui c'est qui a gagné. J'ai du coup décidé, voilà, de vous montrer ma réaction. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me retrouver sur Twitch, je suis en live tous les jours. Bref, c'était Cocteau, bon visionnage. Vas-y go. Et la régie me dit prêt. Mais la régie. Mais vous savez que les gars, moi je pourrais jamais faire animateur comme ça hein. Genre moi s'il y a la régie qui me dit merci dans une autre oreille, je n'entends pas de l'autre hein. Tu fais tomber lumière. T'as vu le deck de Bougie ça? Ok c'est parti. En gros c'est un counter au deck normalement C'est la finale. Golem de... Mais je sais pas s'il a pris golem. C'est quoi, c'est un spam bridge? Ouais c'est tu... Ah il joue Bully cimetière. Ouais c'est ce que je joue. Il joue Bully cimetière. Bully cimetière. Bah c'est son... Son deck golem non? Ah dans son golem il y a cimetière? Je sais pas. C'est la finale les gars. C'est sûr que je joue cimetière. Là je pense que je joue cimetière à Michou. C'est exactement le deck que je joue là. C'est sûr que je joue cimetière Michou là. Il est bien avec Bridge mais avec une Thompson. Bouzy c'est mon deck, le joue. Avec la TDE là. Ouais. Par contre bah faut qu'il... Faut qu'il la clean avec la voleuse peut-être. Ouais avec la voleuse. Voleuse c'est fort. T'as mis le fantôme... Non j'ai demandé s'il peut faire ça ou Prince Ténébreux, du coup on a mis Prince Ténébreux. Ok. Prince Ténébreux c'est fort de fou aussi. Pas mal, du coup. On fera de voir petit à petit le... Eh ils doivent stresser hein. Michou a un bon deck défensif j'ai l'impression. Là je sais pas qui gagne, j'ai pas regardé hein, ça. Il aussi voulait la tombstone donc on a viré une carte, tu peux laquelle mais... À votre avis le chat qui gagne non. Non plus mais c'est une carte qui kiffe. Ouais. Ah ouais. Ah non, je te jure que non, non. Non, y a le voleuse est un bon choix. Il est quand même en découverte de deck en finale. Ouais. Après, il avait prévenu à Bouzy. Hein. Après, ah oui, non, mais après, regarde. Genre, le mode qu'on a fait juste avant. Ouais, j'avoue, c'est la découverte. Bah, c'est la découverte et il s'en sort super bien. Donc, au final, c'est pas. Tu vois, pour lui, en tout cas, ça l'a. C'est pas bien. Après, Michou, je sais pas. Ouais, c'est peut-être son golem. Hein. Mais il manque une carte à Michou. Non deux, deux, deux. Deux, deux. En vrai, c'est égalité. Hein. C'est pour l'instant, ouais, on connaît pas golem. Pour l'instant, les gars, ça se tape. Ça va les couilles, ils stressent pas 10k, c'est rien pour eux. Ouais, mais c'est même pas histoire de l'argent, c'est histoire de stress, tu vois. T'as envie de gagner, frère. Là, c'est même pas une question d'argent, c'est une question de fierté. C'est comme des mecs comme Mongral, ils sont multimillionnaires, mais ils stressent quand même pour les FNCS, quoi. Est-ce qu'il est bien mis? Attends, mais ça aggro. T'as pris l'aggro du truc? Oh là là. Oh, il défend bien Michou. Il y a pas de zap en béton. Ah, parce que voleuse de l'autre côté, ça. Faut d'abord qu'il passe la T2 avant de poser le PK en haut. Il va cimetière avant. Comment il va défendre le Bouli? Oh, Bouli cimetière, incroyable. Bouli cimetière, c'est incroyable. Oh là là, oh l'erreur. Oh, bien joué. En vrai, c'est bien joué, le petit. Il était très bien joué. Il y a voleuse aussi. Et derrière, il a une petite attaque. Il a fait la contre-attaque avec le PK. La voleuse. Là en vrai c'est une boule de feu à foudre, c'est fini. Faut que normalement. Oh non, bien joué la Valkyrie. Après. Oh là là. Oh le bouge. Oh il s'est fait surprendre par là. Oh là là. Oh là là, Michou s'est fait détruire. Il est en fer time, c'est le deck. Défend, défend. Non, pas PK, 4 secondes. Non, calme, c'est cap, c'est bon. Oh la VGL. Michou avait un... Alors, qui c'est qui avait le match-up pour le coup, là en vrai de vrai, je pense que Michou avait le match-up, hein. Ouais, Michou avait le match-up, là. Hein. Ah, mais franchement, moi, le bouseux m'a surpris au tournoi. Ah, Michou avait le match-up, hein. Après, Michou, peut-être qu'il gère moins bien le stress, je sais pas. Ça, en vrai, là, donc ça veut dire que là, t'avais le droit à aucune des cartes que t'as utilisées dans le premier deck. Mais c'est ultra dur. C'est ultra dur, en vrai. Et moi, je réfléchis. En vrai, tu joues Lockbait, j'aurais joué quoi? Je pense que j'aurais joué Cimetière, hein. Je pense que j'aurais joué Cimetière Gel ou Ballon Gel. Je pense que j'aurais joué un deck Bûcheron Ballon Gel. Deck Bûcheron Ballon Gel, frère. T'as Mohamed Light et les gars, Mohamed Light est arrivé à perdre contre ça. Donc, tout le monde peut perdre. Donc, le premier qui arrive à deux à gagner, Bûcheron peut remonter. C'est pas encore fini. Ouais, ça pue sa mère, ça te donne 3 délits. Non, c'est 4. Gola suivant. Moi, je vous le dis, honnêtement, moi, je pense qu'un deck qui peut être très fort, surtout à leur niveau, c'est un deck voleuse. Golem d'élixir, barbare d'élite, dragon électrique, rage, t'envoies ça les gars, c'est un bus mon pote, une autoroute, c'est indéfendable. Le bouseux vs Michou, en BO3, 1-0 pour le bouseux. En vrai déjà regardez, ah non, la fournaise, déjà c'est une carte horrible, moi je la déteste. Machine volante fournaise, deux cartes over forte. Hein. La fournaise elle fait que gratter. Dites-vous qu'une fournaise, un esprit de feu. Hein.
Ça fait autant de dégâts que la boule de feu qu'il va de mettre. Oh là là. Oh, attends, Michou, il a mis le. Attends, Golem, c'est Bouzy ? Ouais. Le Bouzy joue Golem. Si Bouzy gagne Golem contre Michou. Là, ah, c'est la boucle est bouclée. Déjà, regardez déjà les dégâts que ça a mis. Dites-vous que là, il a quasiment mis 1000 de dégâts. Il connaît les timings. Oh là là. Oh là, attention là. Ok, bon. Le poison est pas forcément très bien. Ouais, je sais pas. Ah si, le poison, wesh. Wesh. Je crois que le golem, oui. Ah, le poison, je pensais pas que ça allait attendre. La gargouille va mourir à votre avis. Après, ça tue tout quand ça explose. La gargouille, elle est. Non, la gargouille là, elle est en train de clean. Ouais, en vrai, ça va, en vrai, c'est pas trop mal défendu. Explosion. Attention à la contre-attaque. Ouh, là, par contre, là, ouais. Ça va peut-être gratter à droite. Hein. Une bonne bûche. Ouais, mais il a dû mettre beaucoup, Michou, quand même, pour défendre. Ouais. Mais genre, oh, la voleuse. Plus de dégâts que tout son truc à. Ouais. La régie, il y a pas ça que j'ai Régie, pas le son du jeu, mais je suis pas sûr. Faites en vrai, la boule de feu, tu remets des dégâts en vrai derrière. Direct la princesse. Ça a le temps de. Ah ouais. La fournaise, c'est la folie. Ah, la fournaise, c'est trop fort. Revient, hein. Les gars, c'est trop arrive. Fort. Il perd surtout là, c'est casse-passe. Ça revient à la régie ou pas le son ouais. Là, dites-vous, regardez, 1932, il passe à 1700. Ouais. 250 HP quasiment. C'est impressionnant. C'est putain, Michou qui gratte petit à petit. Déjà, Michou l'a mis quasiment la tour à 1000 HP. Hein. Attends, mais toi, tu joues un deck triple elixir, toi, Michou. Michou, là, il a un petit deck. Hein. Elle a un deck qui coûte cher, mes joueurs. Vraiment les. Non, alors, en fait, là, il fait que défendre. Pas très bien. Ouais, là, par contre, je pense qu'elle est pas très bien placée. Okay. Parce que là, il va mettre un poison qui va tout toucher. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Là, elle était un petit peu plus à gauche, c'était bien. Parce que pour ceux qui savent. Là, il n'y a pas un petit zap, un petit truc là. Oh, le petit fût. Ça... En vrai, ça va. Hein. C'est bien défendu. Hein. La boule de feu à mettre en haut. C'est serré, mine de rien. On va pas la mettre, la boule de feu. Ça creuse un peu. Ah non. Ok, les apises. Il joue ça dans son deck. Ah, il y a une petite boule de... Dommage, il y a deux petites boules de feu qu'il aurait pu mettre qu'il a pas forcément mis. Juste un peu quand ? Un petit peu ? Bah, mais je pense en... Bah, en fait, en gros, il défend en fait, contre-attaque. Le canon, c'est pas mal. Hein. Là, derrière, là, le bouseux, il va pas avoir trop pour défendre. Oh, là, attention ! Oh ! Le canon ! Oh, la luck ! Dis-vous, le canon est touché, là. Le canon est touché. Je vous jure, il mettait au moins 400-500 HP sur la tour. Ah oui, d'accord, je vois un peu le... Ouais, c'est après, Bouzy, si ça passe une fois... Ouais, mais non, il faut pas passer. Et Bouzy, il peut pas passer, là. Avec ça, il peut pas passer. Là, le poison il est trop bien. Ouais, le poison, ouais. Il y a un bon. Il y a tellement de petites unités que tout va sauter. A votre avis, qui gagne ce combat dans le chat? Faites regarde là, il le gratte au fur et à mesure à gauche. Oh, Michou qui gratte à gauche aussi. Attends, mais. Ah, attends, mais là, ah, prends de la méga gargouille. Prends de la méga gargouille. Oh, la gargouille. Putain de merde. C'est égalité, c'est égalité. Oh, c'est chaud, hein. C'est magnifique, comme final. Pas capable. Ok, la fournaise à gauche. Oh, ouais. Regarde, les petits trucs. Oui, mais faut les gérer, faut les gérer. Ouais, regardez ça, ça fait trop mal. Aïe aïe aïe, ça fait trop mal. C'est vu, mais y a les gardes. C'est une nouvelle carte ou pas celle-là? Laquelle? La fournaise. Non, non, celle-là. Y a 1000 ans. Mais la fournaise, elle a été. En vrai, elle a été nerf quand même. Avant, elle était broken. Mais vraiment tranquille, le golem peut pas passer là. Oh, ça touche pas. Ah, dommage, ça touche pas la tour. Ok. Ok. Du côté de Michou. C'est fébrile. Je vais te voir au prochain event Clash Royale. Ah, en vrai, moi je kifferais trop y être. Après, tu vois, genre, moi je suis pas assez connu. Genre, frère, là, t'as Michou, t'as Inoxtag, t'as. Ah, le mec le moins connu, c'est Nikov, hein, je pense. Le dragon, il est bien. Ouais, dragon, il est bien, il va tout faire. Alors que Nikov, il est quand même bien connu. Hein. Par contre, il y a un petit. Ah, le petit garde, il va le gérer. Un Michou qui défend bien. Il a du mal à gratter là. C'est quoi, mais le bouseux, moi, il me surprend. Depuis quand le bouseux, il s'est aussi bien joué, par contre? En fait, le pro. Il a quelque chose ou pas? Ouais. En fait, le problème c'est que. Attends, ouais, mais... à droite! Le dragon! Oh, ça repousse! Oh, c'est bien joué! Oh, là, là. Le poison, il y a juste, pas, à... Y a juste à défendre, recycler! Défense! Oh putain, la bûche! La bûche! Et la machine volante à gauche? À gauche! Oh là là, mais wesh! Mais attends, mais quoi? Mais le bouseux, mais les gars! J'ai regardé des vidéos de le bouseux qui a affronté Inoxtag, il galérait contre Inoxtag! Parce que là, en soi, Michou a extrêmement bien joué avec sa boule de feu. Le bouseux, il pouvait pas faire grand-chose. En plus, il a pas un deck où il peut cycler facilement parce qu'il a quand même des grosses cartes. Ça s'est joué à 20 HP. Ah ouais, c'était chaud, hein. La machine... Pour moi, la machine volante est trop forte. Dites-vous que la machine volante, de ici, frère, elle peut tirer jusqu'à là-bas. C'est trop fort. Et la machine volante, en vrai, il avait quoi pour la gérer? En vrai, il avait rien. Le bébé dragon, pour une machine volante, ça casse les couilles. Il avait la méga gargouille, quoi. Mais la machine volante, c'est trop dur à gérer. Et le bouseux est chaud, hein. Je vous jure que même moi qui joue depuis plus longtemps que le bouseux, je suis pas serein, tu vois. Après, il y a le stress, déjà ça rend pas compte, mais le stress qu'il doit y avoir. Oh le combat, ouais, incroyable.
mais c'était incroyable. Non, je pensais que j'avais gagné. Non. Oh là là. Oh, c'est quoi qui a fait le mec? Il est en château. Je crois qu'il avait la tout. Non, mais là, j'ai la couille froide à un moment. Ça fait 5 ans qu'il joue. Non. Mais moi aussi, ça fait 6 ans que je joue quasiment, tu vois. Mais après, on a. Quand il y a eu Fortnite, moi j'ai arrêté de jouer. Comme tout le monde en vrai. Égalité! Égalité parfaite, les gars! Oh là là, les gars, la game était insane. Et il y a donc un partout. Putain, tu m'aurais battu avec un golem, gros. Ah, dernier c'est match, ça s'est joué à rien. Combat. Celui qui gagne ce combat remporte la soirée, remporte la couronne. J'aurais gagné, je sais pas. Hein. 10 000 euros. Je sais pas, hein, je pense que c'est chaud. Hein. Qui va partir avec 10 000 euros? Ils sont en train de refaire leur deck. On n'a pas le droit de réutiliser les cartes. Ils n'ont pas le droit de réutiliser aucune des cartes qu'ils ont bien jouées. Ça devient de plus en plus dur. C'est dur pour les sorts. Ça devient de plus en plus dur parce qu'ils ont beaucoup de cartes. Pour moi, là, j'aurais pris Archer Magique. Archer Magique, les gars, c'est une carte qui est beaucoup trop forte. Là, j'aurais pris Dragon de l'Enfer. Comme ça, moi, tu peux gérer si le mec il a un golem. Plus de skill avec les cartes qu'il ne peut pas choisir forcément. C'est quoi à gauche? Là, j'aurais pris. En vrai, moi, j'aurais pris. Je pense le chevalier. Chevalier ou truc de glace. Là, j'aurais pris. Là, j'aurais pris Valkyrie. Hein. Valkyrie, trop forte. Là, j'aurais pris. Franchement, j'aurais pris. Ah putain, le séisme c'est très très fort. En fait, le problème c'est que tu prends un séisme, mais que derrière t'as pas une troupe de fous. Ça... Bon, pas un séisme cochon, hein, c'est trop fort frère. Donc ça dépend vraiment de. C'est un peu compliqué. Bon, là j'aurais pris soit le. Ah, oh, le gel. Oh, gel barbare d'élite, c'est broken. Moi j'aurais pris gel. Là j'aurais pris gel. Pardon. Ça pique vite. Hein. Oh bah là tu prends géant électrique frère. Là tu prends géant électrique. Hein. Frère, géant électrique sans aucune hésitation. Les choix ils sont décisifs. Oh mais frère, t'as géant électrique, là tu prends. Là c'est tellement du... ça c'est... les gars dites-vous que ces deux cartes là sont tellement skilled à jouer. L'Arkix il est trop dur à jouer et ça c'est trop dur à jouer. Ça faut un certain niveau. Oh là là là. Putain, il l'a pas pris quoi. Franchement, Michou il a pas trop de luck hein. Oh. Ouais. Il va Là je machine volante frère. Machine volante c'est broken. Là je prendrais soit les gardes soit ça. Il kiffe ça. Ah, machine volante c'est sûr. Là je prendrais le ah OK les gardes. Les gardes sont vraiment forts. Là, je prendrais. Ah, en vrai, je prendrais le zap, hein, frère. Zap, parce que si jamais il y a une T2, tu peux cancel son géant. Et ouais, artificiaire trop forte. En face avec, ah, les choix de la bûche, de prendre la bûche là. Non. Bûche trop forte. Dès que Michou, quand même... bûche ou tournade. Tornade. De Michou, putain. Moi, il. Vous êtes bien là, par contre. Hein. Ah, les gars, je vous ai laissé choisir les abonnés pour les decks là. Bonne chance. Choisir les invités pour tout le se joue maintenant. C'est le jeu. À partir de maintenant, le chat. Mais tu vois, par exemple, là sur le tournoi, je trouve que Michou a eu moins de chance. Il a eu des cartes qui sont plus dures à jouer. Après, il a eu Barbare d'élite, tu vas me dire. Oh, il a eu Barbare d'élite. Mais tu vois, Barbare d'élite, tu peux quand même te faire counter assez facilement, genre un méga chevalier, une roquette, etc. Donc je trouve que, honnêtement, le Bouzou, déjà au niveau des cartes, a eu un peu plus de chance. De flamme, qui va remporter ce dernier combat? C'est maintenant. Alors. Ah. Il allait chercher son dernier match sur un 20 HP la tour et tout, le scénario j'avoue qu'il est ouf. 20 HP. Là il va activer la tour. Est-ce que ça active la tour à cette distance? Ça active là. Ah, ça active. Oh ouais. Non, mais oui. Mon dieu. Aïe. Première seconde de la game. déjà activer la tour du roi, le bouseux ça l'arrange de fou hein. Le roi. Aïe. Mon dieu, seconde de la game. Ça finit comme ça. Ça c'est bien joué ça. C'est incroyable. Non, il fait pas exprès hein. Il fait pas exprès. Tu sais que la position pourtant elle est... Oh là là. Mais ouais. La bande fort défendre. Michou a géré quand même ça. Michou a dit qu'il savait gérer. Ah mais du coup c'est dommage. En vrai c'est bien joué hein. Là dites-vous qu'il envoie 8 d'élixir, il met pas de dégâts, derrière il se prend un contre-poche à 6 d'élixir. Incroyable. Ouais. Là, il doit clutch. C'est bien parce que c'est. Là pour moi, pour l'instant, Michou a l'avantage là. Ok, boule de feu, il tapera même pas. Bonne boule de feu. Ça l'a mis dans la merde. Oh, de ouf. C'est pour ça qu'elle est dangereuse quand même, hein, la. Comment elle s'appelle déjà la petite là qui tire artificière. Ok. En vrai, c'est ça, c'est serré, les gars. De fou. C'est pas perdu pour Michou, même s'il a touché la tour du roi. Il a pas eu de chance sur les deux ont des decks. Ouais, mais artificière en vrai. Donc. C'est contre trop ça trop fort. Le hasard du tirage, c'est le jeu. Déjà, Michou il perd un peu plus d'élixir, c'est un peu dommage. Il va gratter le roi. Ah, là, il a mis un bon poison. Dommage qu'il l'ait pas mis avant. Petit à petit. Attends, c'est pas fini pour Michou, honnêtement. C'est possible de gagner comme ça? Hein? De taper juste le roi? Tu peux, mais c'est impossible. Ouais, tu peux, mais c'est impossible. Ah, 4600 HP. Moi, honnêtement, les gars, je pense que c'est serré quand même. Hein. Non, moi, je pense que c'est game over pour Michou. Tu penses que c'est game over? Non, je pense pas que c'est game over. En fait, le seul problème, c'est que ça a une condition.
c'est la foreuse et la foreuse avec le roi derrière. Ouais. Après, en vrai. Non, là c'est majeste, c'est un bâtiment. Oui, mais Bouzy en x3 il passe pas. Attends, pourquoi il a pris l'aggro de la foreuse? C'est des gros barbares là. Parce que c'est un bâtiment en fait. Tu vois, là il a envoyé 4 d'élixir un peu dans le vent, c'est un petit peu dommage. Michou, il s'est bien joué tout. Allez, Michou, il se défend bien. Ouh, il gère bien son élixir. Il connaît. Oula. Aïe, la bonne boule de feu. Waouh. Oh là là, l'archer en plus qui prend le focus instant. Ah, la boule de feu, elle a été bien gérée. Tombe là. C'est terminé. Ça sent bon. Oh, bien joué, ça, Michou. En vrai, c'est pas trop mal défendu. Oh, c'est Gucci ça. Ça, c'est un peu osé ça. Parce que derrière, s'il met des barbares d'élite. C'est trop bien joué. C'est gourmand, mais c'est bien joué. Non, ça défend bien. Pour moi, c'est pas bien joué parce que. Non, mais en vrai, ça les dégâts que ça met, mon pote, c'est un truc de psychopathe. Hein. Il va remettre la boule de feu, c'est sûr. En fait, faut vraiment qu'il joue tout sur ses barbares. Non, mais c'est un truc de ouf, c'est vraiment trop fort. Mais la game est quand même serrée. Hein. Il a bien défendu le bouseux, hein, choqué. Oui, ça met des dégâts, le poisson aussi. Égalité, les deux tours sont égalité. C'est le x3 qui part directement. X3. Non, c'est en x3 là. Je crois que c'était à 1 minute le x3. Je crois que ce push là il va être. Ils sont déjà en x3 non? C'est un push décisif hein. Ah là il... L'artificier... Il va avoir bûche là. Le géant pas, c'est fini. La Valkyrie. Ouh, touche pas. Mais la machine volante, c'est... Ah, la machine volante, c'est tellement fort les gars, genre what the fuck. Mais en fait elle est au milieu, faut voir l'ombre. Moulin, c'est vraiment le même. Oh là là. Ah, il a loupé. La machine volante est vraiment dure. Ah, ça met des dégâts. Ah là les gars, c'est... Oh là, ça peut être terrible ça. Ouais, là c'est... Peut piquer ça. Attention, peut-être la... Ah, c'est fini. Ah bah il poke au fur et à mesure, c'est-à-dire que ça va tourner. Aïe. Ah, c'est fini. Waouh. Oh, le géant électrique. Oh, le géant électrique, c'est tellement fort les gars, genre what the fuck. Mais frère, le géant électrique, quand t'as pas... En fait, le problème du géant électrique, c'est que quand t'as pas de tour, tu sais, pour... au bâtiment défensif... Après, je pense que ce qu'il aurait peut-être dû faire, Michou, c'est avec sa foreuse, essayer peut-être de faire décaler le géant électrique. Et même avec ça, c'est trop dur, frère. Pour moi, en vrai, le bouseux, il a grave bien joué. Hein. Mais c'est vrai que pour moi, quand même, il a eu un petit peu de chance. Il a eu les bonnes cartes, il a eu des bons timings à des moments. Mais honnêtement, il a bien joué. Hein. De manière générale, sur le tournoi, il s'est quand même bien débrouillé. Hein. Le grand gagnant. Ah franchement, je suis choqué. C'est choqué parce que moi j'avais dit dans la prédiction, j'avais dit le premier Michou, le deuxième Gotaga et le troisième Inoxtag. Au final, c'est le bouseux qui a gagné. Et le bouseux, j'avais dit, le bouseux il va finir sûrement dans les trois derniers. Et au contraire, pas du tout. Mais moi, il m'a surpris le bouseux. Franchement, mais bon, choqué. What the fuck. Après 5 ans d'interdiction. Là, dites-vous qu'il était ban il y a 2 semaines, il était ban de Clash Royale. Il vient de prendre 10 000 euros. Du coup, les potes, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, ce que vous trouvez que le bouseux a mérité. Franchement, j'espère que la petite vidéo réaction vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, abonne-toi. Et n'hésite pas à me suivre sur mon compte Twitter ou Instagram, c'est en description. Et puis, n'hésite pas à me follow sur ma chaîne Twitch. C'était Cocteau. Ciao!